Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir l'effet Aurora. Donc très facilement, on va utiliser les produits 3 en 1 Freedom. On va les appliquer, donc on va appliquer deux couches de blanc. Et ensuite, on va venir appliquer nos petits pigments. Alors vous l'appliquez comme un vernis, on va le pousser bien vers la cuticule. L'avantage, c'est qu'il ne sèche pas à l'air libre, donc on peut prendre son temps pour l'appliquer. Une fois qu'on a appliqué la première couche, on catalyse et on fait tout de suite une deuxième couche. Voilà, après avoir fait deux couches, donc deux vernis, je vais appliquer mes petits pigments, simplement avec le doigt, en les frottant bien. Et une fois que c'est fait, très simplement, on va venir appliquer la finition Shiny directement sur les pigments. On va les catalyser, on va catalyser la finition pendant environ 30 secondes à 1 minute et ce sera déjà fini. Et voilà le résultat. On a un joli effet Aurora. Et comme vous pouvez le voir, donc dans la vidéo précédente, je vous avais montré donc l'effet marbre donc sur ce doigt. Il est possible également avec les mêmes vernis de faire une French, comme vous pouvez le voir. Très net, très simplement. Alors personnellement, je préfère un petit peu l'effet Aurora que la French, donc je vais refaire ces deux-là. Mais au moins, ça vous donne une petite idée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Et puis, vous pouvez me retrouver donc sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, partout, vous tapez Your Nails International. Oh là là, j'en mets partout. Donc comme vous pouvez le lire ici, donc Your Nails International. Et donc vous me retrouvez sur Instagram, alors il faudra juste mettre le tiret du bas entre les deux. Et sur le reste, voilà, vous me retrouvez sous Your Nails International ou Nathalie Krebs, qui s'écrit K-R-E-B-S. Si vous recherchez les produits, donc les vernis Freedom, vous y avez accès donc sur le site www.yournails-international.com. Et donc je vous offre en plus une formation gratuite donc sur ces vernis, comment les appliquer, les retirer, comment préparer l'ongle, comment faire du vernis semi-permanent, comment retirer le vernis semi-permanent, et en plus je réponds à toutes vos questions. Donc je vais régulièrement faire des petits tutos comme ça sur moi quand je me refais des pauses, donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et Instagram pour avoir donc plein d'idées, pour avoir les tutos, pour avoir des nail art et des choses comme ça. Voilà, je vous dis à très très vite et merci infiniment de regarder mes vidéos et me suivre. Si vous voulez me rejoindre dans une des formations, ce sera avec très très grand plaisir également. Donc là, encore une fois, on se retrouve sur le site Your Nails International dans la partie formation dans ce cas-là. Je vous dis à très vite. Bye.